des versets 5 à 7, nous entendons maintenant la deuxième lecture biblique, en 2 Corinthiens 5, les versets 11 à 17. Savons donc ce que signifie reconnaître l'autorité du Seigneur. Et nous cherchons à convaincre les gens. Dieu nous connaît parfaitement. J'espère que, au fond de vous-même, vous nous connaissez aussi. Nous ne voulons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous. Mais nous désirons vous donner l'occasion d'être fiers de nous. Ainsi, vous aurez de quoi répondre aux personnes qui tirent leur fierté des apparences extérieures et non de ce qui est le cœur. Si nous avons été insensés, c'est pour Dieu que nous l'avons été. Si nous sommes dans notre bon sens, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous saisit. Nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous, et donc pour tous on part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérerons plus personne d'une manière purement humaine, même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle.